Ok, nouvelle partie de 51e état, avec cette fois-ci une petite nouveauté par rapport à la précédente partie. Je vais utiliser un automa que j'ai trouvé sur Board Game Geek. Alors, il y en avait deux, j'en ai deux, mais pour l'instant, j'ai choisi le premier automa. Donc, c'est un automa qui se joue avec un dé. Et la particularité, si on lit, c'est que l'IA ne passera jamais tant qu'on ne passera pas. Hein? Et ensuite, elle passera. En fait, elle joue à tous les tours. Et en fonction du niveau de difficulté, on lance un dé à chacune de ses actions, et voilà ce qui se passe. L'étoile, c'est pas compliqué, elle gagne un point de victoire. La flèche, c'est elle essaie de nous attaquer, selon les règles officielles. Si ça réussit, elle gagne 2 PV. Sinon, rien ne se passe. Hein. L'IA ne passe pas si elle a réussi son attaque ou pas. Quoi. Hein. Ça, un petit 3, c'est pour faire... elle pioche une carte. Donc, au final, elle gagne un point de victoire. Hein, ça va être ça. En dessous, les petits signes... de piste là, ça ne fait rien, hein. L'IA ne fait rien, et ici, alors moi je vais jouer en mode normal, hein. Donc ici c'est plutôt celui-ci, donc il y a deux choix, soit l'IA prend une carte de relation et gagne 2 points de victoire, et s'il n'y en a plus, elle gagne, elle pioche une carte qu'elle rajoute dans son état, donc elle gagne en fait un point de victoire. Au lieu de ça, ils auraient pu mettre un point de victoire, ça aurait été un petit peu la même chose, je pense, hein. Sauf que là, il rajoute des lieux. Et donc les deux autres, celui-là on l'aura pas, celui-là on l'aura pas, non, vu qu'on joue en moitié, donc en normal. Donc, a priori, si je fais 5 et 6, il se passe jamais rien. Et puis sinon, elle gagne soit un point de victoire, un point de victoire, un point de victoire, soit 2 points de victoire, 2 points de victoire, ou rien du tout. Bon, on verra bien, on va essayer comme ça. On va voir si ça vaut le coup. Et puis tout le reste par contre c'est identique, hein. Qu'est-ce qui est marqué autour de l'IA, lance un D6 et traiter l'action en fonction du dé et de la difficulté choisie. Voilà, donc moi je vais jouer en normal, je les ai toutes écrites ici, enfin toutes écrites, elles sont là, hein. Donc on va jouer comme ça, on y va. Alors tout d'abord on mélange toutes les cartes. J'ai pas mélangé les airs ni le mode hiver là, nouvelle ère et deux extensions. Je les ai pas encore mélangées. Bon, je découvre, mais c'est un petit peu nouveau. Hein. Puis j'ai jamais joué avec, donc on va rester comme ça. Ici, c'est l'IA. Hein. Nos petits persos, jaune et bleu, hein. Jaune pour la fédération des Appalaches, et bleu pour la cible, la guilde des marchands. Voilà. Puis après, on va mettre nos cartes ici. Je mets ça un petit peu là, même si c'est pas très important. C'est plutôt uniquement les sites de production qui vont intéresser, parce que c'est plutôt eux que je serai amené à détruire. C'est quand même plus facile que celui-là qui font 4 et celui-là qui font 5, sauf si vraiment le site vaut le coup en récupération de matériel, mais bon, on verra bien. Et sinon, le principe, c'est la même chose, hein. La première phase d'observation, c'est la même chose, phase de production, c'est la même chose, les actions, c'est là où ça diffère, et puis on arrête quand un des deux joueurs a atteint 25 points, et on finit le round, et voilà. Alors, on pioche déjà 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut qu'on en garde 4. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a tout d'abord l'épave du char d'assaut. Ah, celle-ci, elle fait gagner des points de victoire à tous les tours. Bonus de construction, une étoile pour chaque... Ah, celle-ci, je me demande pas bien si j'ai... Pour chaque... Ah non, chaque site spéciaux. Le négociateur, qu'est-ce qu'il négocie? C'est déposer pour gagner 2 points de vie. Oh, celui-là, il est pas mal, hein, quand même.
Pas mal. Juste un personnage, ça fait 2 points de victoire. Ouais. Donc, plutôt ça. Bon, il vaut 3, hein. Ça, c'est plutôt un site upgradé. Ça, production. Une par max 3. Ça, c'est pour avoir des bidons. Moi, des bidons, ça me rapporte des points bleus. J'en ai pas à la base. Bon, a priori, plutôt de ce côté. L'infirmerie, qu'est-ce qu'elle me rapporte? Dépenser 1 plus 2 pistolets pour avoir ça. Les pistolets, j'en gagne pas. A priori, et ça vaut cher. Ah, 1, 1. Bonus de construction. Placez 3. Vous pouvez les dépenser durant votre tour et les défausser. Ne les défaussez pas durant la phase d'entretien. Ah, ça, je pourrais peut-être le faire en affaires. Ça, je le mettrais plutôt par là. Et véhicule de chantier, c'est pas celui que j'avais, non. Ah ouais, production ouverte, ah oui. Ça, je crois que c'est le même que j'avais eu lors de mon précédent scénario. Donc là, je gagne des jetons gris, deux jetons gris, moi j'en gagne qu'un seul, et je peux en gagner. Donc ça peut être intéressant, des jetons gris. Par contre, lequel parmi les quatre? Celui-là, j'ai rien comme lieu, donc ça non. Et les deux, est-ce qu'on. C'est de la prod à deux? Et ça, c'est des points de victoire. Points de victoire, mais j'ai pas de pistolet, donc je vais plutôt m'orienter vers de la prod. Voilà, vers ça. 1, 2, 3, 4. Ok, le reste, des fausses. Des fausses, on va la mettre là. Voilà, donc on a pris nos 4 cartes. Ensuite, on pioche 4 cartes encore. 4 cartes, 4 cartes, on en garde une parmi les 4. Donc, production ouverte, une brique. Ah, les briques, c'est pas mal, ça, les briques. Ça, c'est pas mal. Chaufferie, ah, bah la fameuse chaufferie. Deux personnages, ça aussi, très bien. Oh, production ouverte, le bar, une carte. Et l'armurier. Bon, l'armurier, non. Alors, laquelle des trois? Petit perso, c'est peut-être pas mal. On va prendre le bar, bien sûr. La chaufferie. Donc, lui, qu'est-ce qu'il se prend? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il prend le bar. Il me semble que c'était la même chose la dernière fois. Ensuite, bah, moi, je vais prendre la carrière, bien sûr. Et lui, il va prendre, c'est de la production et ça, c'est de l'action. Donc ça, je vais la mettre là. Plus, il se prend une carte supplémentaire, c'est un spécial. Donc, le spécial, bon, pour l'instant, je peux les mettre là. Ça gêne pas trop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mes 6 cartes. On va retourner un marchand. On peut gagner 2 bleu et un punk, des punks. On gagne 2 rouges. Ok. Phase de production. Alors moi je gagne 3 petits persos. Je vais les mettre plutôt sur la. Enfin, pas trop où je les mets. Parce que là, comme j'y mets mes cartes. Bon, je vais les mettre là plutôt. Voilà. 3, une brique. Un jeton gris et une carte. Qu'est-ce que c'est la carte? L'église spéciale. Bonus de construction 2. Ah, c'est pas mal ça. Quand même pas mal. Donc j'ai gagné que ça. Donc 3 personnages, une brique, un jeton et une carte. Voilà. À nous. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme il va jouer à tous les tours, il va pas directement piocher une carte. Est-ce que ça vaut le coup? Ça plus une carte et je gagne 2 jetons gris. Bah, je pense que pour un. Alors, est-ce que je pose ça? C'est pas très intéressant. Il m'en faudrait 2. Il faudrait au moins 2 jetons pour poser la chaufferie. Non, mais c'est surtout gagner des gris là. Voilà. Un seul. Voilà. Donc on va faire ça. Je fais ça, ma première action, pour une pièce grise, production. Ben, j'en gagne de toute façon 2.
Pourquoi? Parce que je gagne forcément la première production, et comme j'ai un petit bonus de construction, j'en gagne deux. Voilà. À notre adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait, la guilde des marchands? Fait 4. 4. Ah, 4. Oh ben, elle prend une carte. Donc 2 points de victoire. J'ai 2 points de victoire. Elle prend une carte. Laquelle des deux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle prend les punks. Ok. Donc les punks, on les enlève. C'est bon. Elle s'est pris 2 points de victoire. Hein. Ça commence bien. À nous. À nous. Ah, le camp, c'est... Ah non, c'est un camp. Ah non, c'est la chaufferie. Ah oui, d'accord. Ça, je gagnerais un perso tout le temps. Avec un jeton bleu. Mais pour un jeton bleu, il faut que je pose... Il faut que je gagne deux jetons. Ouais. Et avec quoi je gagne des jetons? Avec ça, peut-être. Ben, on va prendre deux jetons bleus. Tiens. On défausse les deux. Et on prend ça. Voilà. À lui, qu'est-ce qu'il fait? 1. Il gagne un point de victoire. Ouais. À nous. On joue la carte. On gagne deux jetons bleus. Alors, je ne sais pas s'il faut jouer beaucoup ou pas beaucoup, hein. 5. Il se passe rien. Ouf, il fait rien. Ça, c'est bien. Alors, moi. Pour un jeton bleu, j'ai bien envie de faire affaire. Placer ça. Et donc, un jeton bleu, c'était un 1, j'ai pas vérifié. Oui, un jeton bleu, je fais affaire et mince, je gagne un personnage. Bien sûr. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un. Il gagne encore un point de victoire. J'ai 4 points de victoire. À nous. Comment on pourrait gagner du gris? Il me faut une grille et une carte. Gris plus carte. Ou alors je construis ça et je me mets 2 points de victoire. Ouais, peut-être pas mal. Pour le rattraper, quoi. Je construis ça. Mince, je construis ça pour 2 points de victoire. Ouais, il faut que je le rattrape. Bonus de construction, 2 points de victoire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 1. Encore un point de victoire. Oh là. Moi, qu'est-ce que j'ai? 2, 2, 2. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Parce que parmi mes actions. Là, je pourrais gagner 3 cartes. Ah ouais, ben non, il faut 3, 3, 3. Pour deux personnages. Alors, pour une brique, je fais ça. Pour un bidon, je gagne 2 points. Mais pour un bidon, est-ce que je détruis ça? Ouais, mais bon, il faut 2. Il faut 2. Il m'en faut 2. Ça, je peux pas la. Ouais, je peux pas la détruire. Je peux la défausser. Si je la défausse, je gagne 2 gris. De gris. Mais comme lui, il n'arrête pas de jouer, c'est un peu embêtant ça. Hein? Mais s'il joue pas, après, il prend 3 points de victoire à chaque tour. Est-ce que je peux... Ah ben non, je voulais upgrader, mais je peux pas upgrader. Avec deux persos. Si je l'amène là-bas, je peux faire une production ouverte là-bas et gagner une carte. Mais lui, il gagne encore un point de victoire. Ou alors, je dépense deux pour gagner une carte. Ouais, allez. On dépense deux persos pour gagner une carte. Ah mince, encore ça. Bon, ça vaut que 1. D'accord. Lui, qu'est-ce qu'il fait?
3. Ah, il pose un dieu. Il pose un dieu, qu'est-ce qu'il pose? Donc un nouveau point de victoire, production ouverte pour gagner un petit upgrade. Ah, ouais, j'ai plus de personnages. Et je pourrais faire. Peut-être pour gagner deux persos. Est-ce que je tente ou... Là, j'ai bien peur. Ah, pour un, je gagne une brique tout le temps. Un bleu, je gagne une brique. Là, je vais gagner deux briques. Je vais avoir deux briques, mais ça va me servir à rien. Et si celui-là je mets, je vais gagner un perso. Un perso. Ouais. Ou alors je prends une carte, j'ai défaut, je gagne deux grilles. Et ça, je gagnerai qu'un seul bidon. J'ai envie de faire encore une action, mais. Je sais pas trop laquelle. Est-ce que je prends une brique et je défausse une carte pour gagner deux jetons gris, mais ça me fait après deux actions. Ou je mets ça en prod, mais je la perds. Ou je mets ouais, ça. Ou je mets ça en production. Ou j'upgrade un site. Mais upgrader un site, c'est pas terrible, hein. Ça en fait c'est pas mal hein, parce que je pourrais l'upgrader avec une brique pour pouvoir la poser. Ouais. Et ce qu'on gagne, on gagne pas grand-chose hein. Me dit est-ce que la brique c'est quand même pas mal de l'avoir. Allez, on fait une affaire. Donc je jette mon jeton. Ça valait que 1. J'ai pas regardé. Oui, ça vaut que 1. Bon, on va voir, mais. Mince, mince. Voilà. Donc je gagne une brique, mais bon, la brique, je vais pas l'utiliser. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 1. Encore un point de victoire. Bon. Et puis là, je passe. Parce que 1 plus défaut, c'est une carte, je gagne 2 jetons, mais ça va le refaire jouer. Donc je passe. Hein. On défausse tout. On défausse tout. Phase. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Production ouverte, je gagne un petit. Ça, c'est pas très utile. Production spéciale de 1 point de victoire. Ça vaut que 1. Une brique. Bof. Bonus de construction pour... Ouais, d'accord. Et ça, entrepôt. Ah, c'est l'entrepôt. L'entrepôt, ça peut être pas mal. Ça vaut que 1. Bon, je prends l'entrepôt. Allez. Ah, lui, il prend ça. C'est un spécial. Moi, je vais prendre ça. Et lui, il va prendre ça plus une autre. Plus une autre spéciale. Une autre carte, pardon. Action. Ok. Voilà. Je prends mes ressources. Alors, on retourne ça. Qu'est-ce qu'on aura? Deux bleus. Deux rouges. Ok. Mes ressources. Mince. Alors, un bonhomme. Plus une brique. Ok. Trois petits bonhommes. Plus une autre brique. Plus un jeton gris. Plus une carte. C'est quoi cette carte? Est-ce qu'on va la défausser marchand? Peut-être activer deux fois.
Il me faudrait des pistolets, mais des pistolets, j'en ai pas. Donc celle-ci, à mon avis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je fais ça plus une brique? Je me dis. Et puis mince, je gagne un autre jeton. Ouais, ça, il faut pas que j'oublie, je gagne un jeton ici. Donc avec deux jetons, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos deux jetons? Alors, est-ce que. On prend une carte. Mais j'aurai pas de rouge, ouais. Parce que là. Non. Pense que je dépense deux persos. Mince. Ah. Quand même, deux persos. Pour prendre la bleue. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que après, je vais mettre quoi en réserve? Ça vaut pas. Non. 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 On va regarder nos deux persos pour l'instant. Je me demande si je vais pas poser. Est-ce que je pose l'entrepôt? Où est-ce que je défausse cette carte plus une brique? Ah oui, là j'en ai, là, c'est pas mal. Entrepôt, ouais, je pourrais poser l'école. Non, ça vaut deux. Ça vaut deux. Si je pose ça, je gagne un, seulement un. Et après, je le gratte pour gagner ça. Mais ça me vaut deux. Ouais. Ouais. Ben on va faire ça. Bon, déjà, je fais ça. Je défausse ça plus une brique. C'est mon action là. Plus une carte. Et je gagne deux jetons gris. Deux jetons gris. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Trois, mince. Trois, si, il prend qu'une carte. Enfin, il prend une carte. Hein. Production parking. Ok, d'accord. À moi. Pour deux, est-ce que pour trois, je pose ça direct? M'a toujours pas attaqué, hein. Pour trois, je pose ça. Un, deux, trois. Je pose trois. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Cinq, il fait rien. Ouf. Pour une action, voilà. Pour une action et défausser, attends, et défausser une de vos affaires. Ah mince! Ah, c'est complètement nul ça. Pour gagner 2 points de victoire. Ouais, c'est pas terrible ça. Ouais, c'est pas terrible du tout. Ah, il faut défausser une affaire. Ah ouais, c'est peut-être pas pour mon perso ça alors. Ça me sert à rien ça. Ça me sert à rien. Pourquoi j'ai ça d'ailleurs? Pourquoi j'ai pris ça? C'est pas trop. Ouais, je peux mettre ça en affaire alors. Ah ouais, mais pour du bleu. Allez, pour un, on pose un spécial. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Un point de victoire. Ouais, il me faut des jetons bleus en fait. Et j'ai plus rien. Oh là, alors là, la partie me paraît quand même un peu compliquée. Parce qu'en fait, il joue à tous les tours. Ça, c'est pas marrant, hein. Ben, on fait ça quand même, hein. On fait ça, plus on défausse un personnage, allez, une affaire.
pour gagner une de vos affaires, pour gagner 2 points de victoire. Ah, on va essayer de le rattraper, hein. Mais bon, comme il fait 5, ouf, il fait rien, toujours rien. Après, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux... J'ai rien. Est-ce que pour un PV... Ouais. Est-ce que pour un PV, est-ce que je prends quelque chose? Une carte ou une ressource? Ah, pour deux, je pourrais prendre 3 bidons. Pour un rouge, si je prends un pistolet pour essayer de gagner des trucs. Celle-là, j'aimerais bien la poser au tour prochain. Celle-ci, elle fait rien. Il me faudrait des bleus, en fait. En fait, il me faut des affaires. Ah, mais il va gagner encore plein de points de victoire. Ouais, il va gagner des points de victoire. Est-ce que j'en dépose deux? Allez, on dépose deux. On dépose, pardon, deux persos pour prendre cette carte. Qu'est-ce qu'il fait, lui? 4. Mince, il prend l'autre. Et gagne 2 points de victoire. Eh ben, il gagne 2 points de victoire. À moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je le dépense. Voilà, mais pour gagner 2 bleus. Le nombre de tours qu'on perd à faire ça. Lui, 6, il fait rien. Ça, c'est bon. Après, qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que je mets ça pour gagner? Je pense pas qu'il faille jouer tant que ça, quoi, en fait, hein. Ça, je le gagne tout le temps. Celle-ci. Ah, bah celle-ci, mince. Celle-ci, allez, on la vend. Voilà, on la vend. Pour 1. On gagne ça. Ça ne me sert pas à grand-chose. Mais je pourrais la défausser au prochain tour. 1. Lui, il gagne 1 point de victoire. Moi, je refais ça encore. Allez, on fait ça pour ça. Voilà. Donc c'est un bleu. Je gagne un perso. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Allez, 5 ou 6. 6, ouf! Et alors, est-ce que je fais ça, mais il va gagner 1 point de victoire? Mais je vais gagner une carte seulement. Ah ouais, c'est nul. Non. Je mets les deux pour... Alors, est-ce que je prends une ressource? Ou est-ce que je pioche une carte? J'ai pas beaucoup de cartes, hein. J'ai pioché une carte. Assassin, production. Un pistolet, ok. À lui. 5, il fait rien. Ouf. Bon, j'arrête de jouer. J'arrête de jouer. Donc lui aussi, il arrête de jouer. On va considérer comme ça parce que je trouve que déjà, il marque beaucoup de points sans que si je le fais jouer après moi encore, c'est un peu dur. Je pense que je vais juste m'arrêter là. Donc là, je peux quand même stocker. Vous pouvez stocker jusqu'à 3 ressources. Donc ça, c'est pas mal. Ça, je perds, je perds, je perds. Bon, par contre, je vais les récupérer, mais bon, je les remets là, comme ça, ce sera quand même plus simple. Hein. J'ai
J'ai pioché quoi? J'ai pas vu. Ah oui, l'assassin. Ok, phase suivante. Donc on retourne au. Ah, là c'est 3. Et là c'est 2. Prend nos 4 cartes. Un autre assassin. Forteresse des pétroliers. Avec une brique, on peut upgrader. Hein. Celle-ci, elle me plaît pas trop quand même. Hein. Ah, ça, dépenser 1 pour gagner 2. Ah ouais, non, c'est pas des points de victoire. Pour gagner 2 persos, d'accord. Et celle-ci, cultiste de l'essence. Qu'est-ce qu'il a? Lui, il a de l'essence. Dépenser un jeton bleu pour gagner un point de victoire. Peut-être activé 2 fois. Ah, pas mal ça. Je pense que je vais prendre ça. Dépenser 1 et 2 bidons pour gagner 3 points de victoire. Ah, 3 points de victoire. Et 2 bidons. Des bidons, et j'en ai pas. Ah, des bidons, je pourrais peut-être en stocker. 3 points de victoire. Et là, c'est un jeton bleu. Des jetons bleus. Le problème, c'est qu'il faut que je passe par des bidons. Ça. Et là, c'est un meeple. Ça, c'est peut-être mal mieux pour mettre plus de points. Pour gagner plus de points d'un coup, en moins de coups. Surtout ça. Allez, laquelle des 3 il va me prendre? 3. 1, 2, 3, 4. Il me prend cette production. Moi, qu'est-ce que je prends? Ça me rajoute un personnage. Ben, je vais prendre ça. Lui, il va prendre ça, une action, plus une nouvelle carte. Production verte, une cuve à pétrole. Voilà. Donc, ça lui fait. Oui, ben, le problème, c'est qu'il a déjà rajouté 2 cartes, je crois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les 2 cartes. Ok, c'est bon. Phase de production. Un perso. Un écrou qui me sert à rien, les écrous, ils me servent à rien. Ouais, il faut que je la défausse avec ça. Un écrou et une brique, suivi de 3 personnages. 1, 2, 3 persos. Une nouvelle brique, un jeton gris et une carte. Action, dépenser un meeple et un pistolet pour gagner 2 points de victoire. Ouais. La production est peut-être pas mal. Production de pistolet, peut-être pas mal. Plus un jeton gris. Voilà. Ok. Bon, bah c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Premier tour. Alors, premier tour, est-ce que je fais ma prod? Ou alors ça. J'ai pas de jeton bleu, c'est ça mon problème. Avec ma brique. Ma brique. Ma brique. Plus défaussé. Ouais, on va faire ça. Un meeple, plus je défausse le. L'engrenage là. Voilà. Un meeple plus l'engrenage et je gagne 2 points de victoire. Ah, je suis encore à la traîne. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 4. Oh mince. 1, 2, 3. 1. Ah, en plus, il prend celle-ci et il met 2 points de victoire. Ah, il est déjà à mi-parcours. Lui, il est déjà à mi-parcours. Ok, à moi. Moi, j'ai bien envie d'upgrader, hein, d'upgrader avec une brique. Ouais, j'ai bien envie d'upgrader. Alors, est-ce que j'upgrade? Peut-être pas. Ouais, j'ai peut-être posé ça. Attends, elle vaut 3 celle-ci. Plus 2 bidons. Celui-là, c'est un jeton bleu.
Celle-ci ne me sert pas à grand-chose. Je pourrais gagner un bidon aussi. Un bidon. Un bidon, mais là, il me faut deux bidons. Ah, il faut que... Ouais, mais je vais pas pouvoir... Ah ouais, un bidon. Deux. Ouais, ça va me faire plein de tours encore. Pour gagner deux points de victoire, il me faut forcément ça et ça. Ces deux-là, il faut que je les pose. Ouais, ben je pense que je vais upgrader. Hein. Parce que pour deux, quoique celle-ci, je peux la poser. Celle-ci, elle vaut que 1. Elle vaut que 1 et je gagne de suite un pistolet, mais je pourrais pas poser celle-ci. Et mes deux persos, là, mes trois persos, ils me servent pas à grand-chose. Hein. Ouais, mon assassin, il me donne un pistolet. Un pistolet, je pourrais faire ça pour gagner deux. Ou alors, je prends un jeton bleu. J'ai plein de ressources, mais ma brique, elle me sert à rien. Brique, et puis je peux pas upgrader ce truc-là. Ah, je peux peut-être le grader. Ah ouais, celle-ci, elle vaut que 2. Et celle-ci à poser, elle vaut 3. Plus 2 bidons. Ah ouais, ça va être long, ça va être long, ça va être long. On va encore perdre plein de temps. Ah oui, non, ça c'est peut-être pas mal, oui. Pour deux, je vais passer ça parce que ça me fait de la prod là. J'ai des bidons. Alors, il y a marqué pour deux, donc je fais ma prod. Production, un bidon pour chaque dans votre état, max 3. Donc ça me fait 3 bidons parce que j'en ai 1, 2, 3. Ça c'est bien. Ouais, bien. On a eu un bon petit coup là. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 2. Ah, il m'attaque. Étoile, la plus loin. Ah ben, il me supprime celle-ci. Ah, alors là, l'upgrade, il est plus bon. Hein. Il m'a supprimé celle-ci. C'est la seule qui a étoile. On prend déjà la plus lointaine. D'accord. Ok, donc c'était celle-ci, c'est la seule. Ok, donc il m'a attaqué. À moi. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc celle-ci, je ne peux plus la poser. C'est bien ça, je peux même plus la poser maintenant. J'ai une brique pour upgrader quelque chose. Et je pourrais upgrader ma plateforme, mais... J'ai plus rien. On ne peut pas gagner des jetons. Si, une brique plus une carte. Une brique plus une carte. J'ai bien envie de lui donner un point de victoire, en fait. Bon, allez, on va là. Production ouverte. Donc, il gagne un point de victoire. Ah oui, et puis il m'a détruit un lieu. Hein. Donc, un point de victoire. Mais par contre, je gagne ce jeton-là. Lui, après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un nouveau point de victoire. Oh, moi, je joue bien sûr ça, mon jeton, pour upgrader, en fait, ça, qui ne me sert plus à rien. Ce lieu disparaît et je veux mettre ça à la place. 1,
je peux upgrader en fait n'importe quoi avec ce jeton là. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 3. Il prend un nouveau point de victoire. Une action. Ok. Moi, un meeple plus 2 trucs, je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ah ouais. 3 points de victoire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 4. Oh mince, il reprend 2 points de victoire. D'accord. Bon bah là ça va être c'est attrapé là hein. Ouais, parce que là je joue trop de trucs hein. Trop de trucs. J'ai l'impression qu'il faut vraiment faire peu d'action, mais peu d'action plus que lui. Lui il gagne quand même 3 points de victoire par tour hein. Là, on va faire ça, hein. On va défausser ça. Quoique avec ça, je pourrais gagner un bidon à chaque tour. Ouais, c'est peut-être pas mal. Mais des bidons, là, j'en ai pas mal. Ça me suffit peut-être les bidons. La chaufferie, par contre, n'est pas utile. Bon, ça, je défausse ça et une brique. Pour gagner deux jetons gris. Voilà, qu'est-ce qu'il fait lui? Il me reste encore une action. 6, il fait rien, ouf. Et puis à la prochaine, on va passer parce que donc avec les deux là, il faut que je pose. Alors soit je pose un pistolet. Non, je pose ça. Pour deux, c'est une action. Allez, on pose une action. 2. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 3. Oh, il reprend encore une carte. Production. Ok. Et moi, je peux plus rien faire. Mais je vais pas continuer parce que... Ah oui, mince, ma brique, elle était là. Hein. J'ai utilisé la... Ah oui, mince, elle était là. Eh ben, on fait plus rien. Non, je passe. Allez, bah je passe, hein, de toute façon. Donc ça disparaît. Tout ça disparaît. Voilà. Donc tout disparaît. Ah oui, mais je voulais stocker des choses. Une. Bah, deux, trois, de toute façon, je pouvais pas. J'avais une autre deuxième brique plutôt que ça. Je crois que je vais garder plutôt une deuxième brique. Ok. Tout ça, c'est fini. Ensuite, on retourne. 2. 2. On prend 4. Je ne sais pas si je l'avais monté, mais je crois. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on va garder? Dépenser un jeton plus pour gagner un point de victoire. Peut-être activer deux fois. Ah ben maintenant que j'ai balancé mon truc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a en gain? Ah ça. L'essence radioactive. Production verte, je gagne des cartes. Ouais, bof. Non, je pense que je vais reprendre le même là. Je vais reprendre ça. Lui, qu'est-ce qu'il prend? 1, 2, 3, il prend ça, production ouverte. Moi, qu'est-ce que je prends? Moi, je voulais prendre ça. Et ça, ça va là. Plus une nouvelle carte. Ouf, oh, voilà, là, il m'explose, là. Parce qu'il va arriver à 25, et moi, j'ai rien. J'ai rien du tout. Alors, donc, moi, qu'est-ce que je gagne? Une carte. Un gris. 3 persos plus une brique. Oh, allez, ça ne me sert à rien tout ça. Ici, un gris. Ici, 1, 2, 3. 3 bidons. Ça, c'est pas mal ça.
c'est trois bidons, ça c'est bien. Et ici, un perso et une brique. Voilà, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11. Ah, j'en ai 11 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est bon. Ok, à moi. Bah, 2 plus un perso, 3 points de victoire, 12. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 1 point de victoire. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Pas de pistolet. Par contre, je pourrais poser ça. Et ça, c'était quoi la carte que j'ai gagnée? Usine d'assemblage. Ah, bah voilà. Maintenant que j'ai plus mon truc. Bon, pour deux, je pose ça. Peut-être activer deux fois, c'est ça. Hein. Ouais. Je pose ça pour deux. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 4. Oh là là, 2 points de victoire. Lequel des deux? 1, 2, 3. Il prend ça. 2 points de victoire. Oh ben oui, il est arrivé là. Moi, 1 plus 1. 2 points de victoire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 5. Ah, il fait rien. Il fait rien. Alors. Une brique. Une brique, ça va me servir à quoi, une brique? Ah, j'ai plein de briques et les briques, elles me servent à rien. Deux persos pour... Deux persos pour quoi? Pour gagner un pistolet peut-être. Ouais. On va mettre deux persos pour gagner un pistolet. Ah oui, deux persos. Mince. Ouais. Je gagne un pistolet. Voilà. Ah oui, mais je peux plus la jouer, j'ai plus de perso. C'est pas grave. Allez, lui, qu'est-ce qu'il fait? 5 ou 6? 6, c'est bon. Là, j'ai plus de meeple. Ouais, j'ai plus de meeple. Est-ce que je peux faire une brique pour upgrader un site? Non, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais. Peut-être que ça, c'est pas très intéressant. Ouais. Je peux rien, je peux rien, je peux rien. Une brique plus une carte. Ah ouais, je pourrais défausser une brique plus une carte pour en poser les deux. Ouais. Bon, une brise plus qu'une carte. Pour récupérer deux jetons. On y va. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Allez, 5 ou 6? 5, ouf. Pour 1, je pose. Ouais. Ouais, c'est pas très utile ce que je fais là. C'est vraiment pas utile ce que je fais. Pourquoi je voulais poser ça? Ça sert pas. Pour un, ouais, c'est absolument inutile ce que je fais. Bon, c'est pas grave. Allez, on pose ça pour un. Lui, qu'est-ce qu'il fait? 4. Ouf, 2 points de victoire. Voilà. À moi. Oui, j'ai gagné quand même un pistolet. Hein. Ouais, ça m'a servi à rien mon pistolet. Là. Comment j'ai d'ailleurs comment j'ai eu un pistolet? Ah ouais, mes deux ressources. Ouais, d'accord. Mais je peux pas gagner de perso. Comment gagner un personnage? Non, j'ai rien. Bon, je passe.
Donc il passe aussi. Qu'est-ce que je garde? Ben, ça, ça. Tout, tout le reste, c'est des fossés. Une brique, ça va me servir ou pas. Un autre pistolet, ça va pas me servir. Non, ben, on garde ça. Passons là. La partie était très, très, très dure. Hein. Trop dure à mon goût. De bleu. Instantané dépensé, 1 et gagné 3 jetons. Ouais, d'accord. Les 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, véhicule de chantier, production ouverte. Ah, ça, c'est peut-être pas mal. Mais bon, comme c'est là le dernier tour, je pense plus que ça soit très utile. Le hangar, c'est pas non plus très utile. C'est marqué quoi? Spécial, vous pouvez stocker. Ah ouais, on peut stocker. Production ouverte, une brique, ça sert à rien. Dépenser 2 pour gagner 2 points de victoire. Peut-être activer 2 fois. Ah, celle-ci. Allez, on va prendre ça. Lui, il va prendre quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, il prend ça. C'est un spécial. Oh, ben, oui, on va prendre ça. C'est pour gagner des jetons. Et lui, il va prendre ça, plus une nouvelle carte. Et ben... production verte, ok. Ouais, bon, ça, j'en ai plus très tellement besoin. À moi, ah, ça. Ah oui, la production. La production, donc. Un perso et une brique. Ok, plus 3 personnages. Une brique, un gris et une carte. Qu'est-ce qu'on gagne comme carte? Dépôt de briques. Bonus, construction, placer 3 briques. Ah, là, c'est... ouais. Des fossés, bien sûr. Un jeton gris. 1, 2, 3, 3. Ah mince, ça, je ne les ai pas enlevés. 1, 2, 3. Ben voilà. 1, 2, 3. Et un pistolet. Pistolet, ouais, j'aurais pu le jeter. Pistolet, c'est bon. Donc, ça fait 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est bon. On y va. Ben, nous, on va activer tous nos points de victoire, mais c'est tout. Hein. Donc, un meeple et un pour gagner 2. Ah oui. Oui, oui. Donc, 1 et 2 pour gagner 3 points de victoire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Allez, 5 ou 6? 1. Point de victoire, il avance. Suivant. 1 et un pistolet pour gagner 2 points de victoire. Ok, lui, qu'est-ce qu'il fait? 5, il fait rien. Oh mince. Hop là. Ça a bougé. Bon, c'est pas grave. 1 et 1 pour gagner 2 points de victoire. Tiens, qu'est-ce qu'il nous fait là? 2. Ah, 2, il nous attaque. Qu'est-ce qui nous attaque? Alors, il nous attaque. Icône, icône. C'est un des 3. Il nous attaque. Donc, celle-ci, qui est la plus loin, c'est la seule qui dispose. Donc, des pistolets. Pistolets. Ah non, il y a celle-ci, mais elle a distance 1. Celle-ci a distance 2. Et l'icône comme ça, il est qu'à distance 1. Donc, il nous a détruit ça. Ok. Plus 2 points de victoire. Donc, c'est la fin de la partie. Oh là! Oh là, oh là! Donc là, bon, on va essayer quand même de faire des petits points de victoire. Et il nous reste quoi? Un perso et 2 engrenages, c'est nul. Ah, 2 plus 2 points de victoire. Ah ouais. Mince. Bah ouais, je peux pas faire grand-chose. Plus il faut 3 pour le poser. Ouais, parce que le seul point de victoire que je pourrais ça, c'est 2. Il m'en faut 2 pour 2 points de victoire. J'ai qu'un seul meeple, je peux pas. Voilà. Ouais, à part lui donner plein de points de victoire, je vois pas ce que je peux faire. Hein.
J'ai pas d'engrenage. Avec mes actions, je peux générer que ça. Ouais, du bleu. Alors, est-ce que je peux gagner? Ça, il faudrait que je vende, mais c'est pas très intéressant. Ça, il faut que je vende à deux. Donc, il faut que j'utilise un bidon pour en gagner un. Donc, ça vaut pas. Bah ouais, là, je vois pas ce que je peux faire. Bah ouais, je suis obligé de passer, là, je vais pas. Je peux pas. Pour aller là-bas, je lui donne en plus un point de victoire. Et puis, j'ai pas de. Ouais. Je peux rien dépenser. Non, non, ça vaut pas le coup. Poser deux. Je pourrais aussi poser ça pour avoir un point de victoire. Mais lui, il risque d'en mettre deux. Donc c'est. Même pas, je suis même pas arrivé à 25, quoi. Là, je peux gagner un truc si je le pose. Là, je gagne une brique. Là, je gagne une essence. Mais une essence, il faut que je pose ça. Ça pour le grader, la citerne, là, les buveurs d'essence. Ouais, je vais rien gagner. Je vais gagner 2 points de victoire et lui, en 2 coups, je peux gagner 2 points de victoire. C'est-à-dire que j'upgrade ça en ça. Premier tour. Donc je gagne rien en fait. Je gagne rien. Mais par contre, il sera posé. Ensuite, ouais, j'avais dit quoi? Ah oui, je pouvais en détruire une peut-être pour gagner des points de victoire. Ouais, je m'étais dit action là, poser ça. Ça avec ça, je l'upgrade, ça c'est sûr. Je l'upgrade, mais après, comment je trouve deux bidons? Comment je trouvais deux bidons? Je m'étais dit que je pouvais trouver un bidon, mais comment? Avec un meeple chez lui? Il doit bien avoir une production, ouais, il doit bien avoir une production. De la production ouverte, hein, il faut production ouverte. Ah oui, mais tout à l'heure c'était de la production ouverte, j'ai pas regardé. Je crois bien, hein. Puisque j'avais pris, non, pas une carte, un pétrole, ouais. Ah oui, il y a des sens. Ben, j'envoie un meeple là-bas, ça va lui faire un point de victoire. Ouais. Là, je peux rien optimiser. Mais t'as dit, je pouvais upgrader ça. Mais je gagne pas de bidon. Comment je gagne mon bidon? Même en la détruisant celle-ci, je gagne pas de bidon. Bon, bah allez, on arrête. Ouais, parce que je vais gagner combien? Si j'arrive à la poser, je vais gagner 2 points de victoire. 2 points de victoire, et lui, il va jouer 2 tours. Parce que un upgrade, il va gagner. Bon, allez, on passe. On passe donc bilan, on a perdu largement, largement perdu. Le souci, c'est qu'il joue à tous les tours. C'est impossible. Il joue à tous les tours. Ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment, il puisse quand même passer, quoi. Il puisse passer. Ce qui serait bien, c'est que dès que son attaque réussit, en fait, il passe. Ouais, parce que là, je vois pas du tout comment on peut gagner contre ce personnage-là, contre cet automate. Je suis impressionné là. Et c'est le normal. Le facile, en fait, il n'y a que ça qui change. Si on a pris les 2 cartes, 4, 5, 6, ça devient gérable. Peut-être que là. Là, bien sûr qu'il faut prendre des cartes. Du moins en prendre une. Ouais. Au moins en prendre une, hein. Parce que, bon, mine de rien, il a fait combien en plus? 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15, 15, 17, 19. 19 cartes. Sachant qu'il en a 3 à chaque tour, ça veut dire qu'il aurait pioché 4 cartes. Ouais, peut-être bien. Ouais, ça doit être ça. Ouais. On a dû faire que 5 tours. Ouh, bah alors là, je pensais pas le voir aussi dur. Mais bon, déjà, en me disant, il joue à tous les tours. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de faire un maximum d'actions? Je sais pas. À mon avis, c'est un petit peu comme Anachronie. Hein. Anachronie, l'automa de la boîte de base. Hein. Il faut vraiment faire très très peu d'actions. Mais là, le problème, c'est que très très peu d'actions, lui, tous les tours, même si on fait qu'une action, tous les tours, lui, il marque 3 points de victoire. Donc, ouais, je vois pas du tout. C'est ces échanges qui font très très mal. C'est ces échanges qui font très très mal. À chaque fois, on perd une action, quoi. Ou alors se dire qu'il passe un tour sur deux, en fait. Peut-être que s'il passe un tour sur deux, forcément, enfin, il joue qu'un tour sur deux, quoi. En fait, un tour sur deux, il fait tout le temps un 6, quoi. Et l'autre tour, eh ben, il fait des au hasard. Alors, ouais, parce que là, moi, finalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive à peine à 27. À 27, lui, 19. Hein. Donc 20 en plus. Il est à 45. Il est à 45 et moi, je suis à 27. Comment on peut gagner? Là, je sais pas. Ouais, je me demande si cet automa, il n'est pas un peu trop difficile. Hein. Ouais, il joue à tous les tours. Le problème, c'est si à chaque fois il t'attaque, c'est pas très réaliste, quoi. Si à chaque fois il t'attaque, moi il m'a pas tellement attaqué, je crois qu'il m'a attaqué que deux fois, deux ou trois fois. Mais bon, à chaque fois il place un dieu, c'est pas, ouais, c'est mon avis, il faut. Ou alors j'ai vraiment eu un mauvais jeu, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Hein. Est-ce que c'est la bonne. La bonne guilde qu'il faut, avec les cartes que j'avais. Je sais pas si c'est la bonne guilde. En tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est que là, c'est très 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 dur. Alors, l'autre automa est un petit peu différent. Et je pense que la prochaine partie, bah, ce sera avec l'autre automa, pour voir un petit peu comment on se débrouille. Ouais, ouais, j'ai préparé, je l'ai préparé, enfin du moins je l'ai préparé, je l'ai imprimé, et je mets en pause, voilà je reprends, oui j'ai imprimé l'autre automa, enfin j'ai fait une petite traduction, enfin pour moi c'est Google qui a fait la traduction, donc en fait ce qui se passe, utiliser les règles de configuration normales, à ces exceptions près, utiliser n'importe quel tableau de faction pour le Nemesis. Donc ça, bon, jusqu'à présent, c'est à peu près la même chose. Placez-le à portée de main. Créez une pile face cachée pour chaque niveau. Mélangez chaque pile et mettez-les à portée de main. Alors ça, je vais vous montrer. En fait, ce sont des cartes qu'on nous demande d'imprimer. Hein, qui ont... Mince. Qui ont donc niveau 1. En fait, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Vous voyez ? Niveau 3, par exemple, on va prendre ça. Niveau 2 et niveau 1. En fait, on nous demande bon, bah, de les mélanger. Et en fonction du nombre de lieux qu'on aura, nous, en jeu chez nous, eh ben, on va piocher une carte dans un paquet. Dans un paquet. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on nous écrit? Hop, hop, hop. Voilà, mélanger. Chaque carte d'attaque Némésis a 1, 2 ou 3 dessus, marquant le niveau de la carte.
Lorsque vous avez choisi vos quatre cartes de main initiales, choisissez une carte de main à construire immédiatement dans votre état. Il sera protégé contre le rasage pendant toute la partie. Placez le jeton base d'opération dessus en guise de rappel. Il s'agira de votre base d'opération. Si la carte choisie a un bonus de construction, récupérez-le. Par contre, s'il s'agit d'un lieu de production, vous ne collectez aucune marchandise pour le moment. Vous les recevrez pendant la phase de production, par contre. Si vous jouez... Alors, je ne sais pas ce que c'est, cette extension, je ne connais pas. Ensuite, phase d'observation. Donc, c'est normal, hein, on fait la même phase d'observation, c'est la même chose. Hein. Par contre, phase de production, lui, il gagne 2 PV. Donc, à tous les tours, il va gagner 2 PV, ça, c'est sûr. Et phase d'action. Alors, phase d'action. La faction Némélis ne prend pas de carte de relation. Ah, et ne vous attaque pas comme les en mode solo normal. Cela fonctionne un peu différemment. Au début de son premier tour, retournez la première carte d'attaque de l'un des decks Némélis. En fonction du nombre de lieux que vous avez dans votre état à ce moment-là. Votre base d'opération compte également dans ce montant. Bien sûr, donc si on a entre 1 et 4 lieux, on tire une carte du deck numéro 1, numéro 2, numéro 3. Chaque carte Némésis contient une quantité de jetons et ou de ressources que vous devez défausser afin d'empêcher là où les attaques décrites de se produire. Placez les pièces du jeu sur la carte pour indiquer que vous les avez défaussées. Placer des jetons ressources sur la carte est une action gratuite. Hein. Une fois placés sur la carte, vous ne pouvez plus les reprendre. Les attaques se produisent à chaque tour. Alors, assurez-vous de les arrêter rapidement. Si vous ne parvenez pas à répondre aux exigences, les attaques se poursuivront jusqu'à ce que vous réussissiez. Cela signifie que vous pourriez subir des pertes à chaque tour. Il n'y a pas 3 attaques maximum comme dans le mode solo officiel. Si vous arrêtez toutes les attaques, certaines ont des attaques doubles, hein, donc il faut arrêter les deux, la faction Némésis passera lors de son prochain tour. Si vous ne pouvez plus attaquer, la faction Némésis après... Ah, vous ne pouvez plus attaquer la faction Némésis après, alors faites attention au timing. Si vous jouez avec les cartes défaussées, ok. Donc en fait, c'est ça. L'intérêt de celui-là par rapport au précédent, c'est dès qu'on a réussi à bloquer son attaque, on va dire, eh bien, il joue plus, il passe. Donc nous, on peut jouer. Donc ça peut être intéressant. Alors, les cartes d'attaque, qu'est-ce qu'elles ont? Au premier tour de Némésis, piochez une carte du dessus de la place, la carte aura une ou plusieurs attaques. Des attaques de lieu, ou des attaques à faire, ou des attaques sur les cartes en main. Voilà, et il y a des cartes spéciales. Il y a des cartes spéciales, oui, j'explique un peu. Donc, si c'est une carte de lieu, eh ben, comparer les types de lieux, c'est en fait les règles solo. On applique les règles solo. Hein. Ah, mince, tout à l'heure, je me suis trompé. En fait, les ruines, il fallait que je les retourne. Ouais, il fallait que je les retourne, les ruines. Ouais, ça m'aurait peut-être aidé, en fait. Enfin, à gagner 2 ou 3 points de vie. Points de victoire, mais bon. Donc, par contre, on peut attaquer les affaires. Donc, on vérifie le champ affaires pour la correspondance avec vos affaires. Jetez l'une de ces affaires. Par contre, je crois que s'il n'y en a pas, on jette rien, quoi. Il me semble que c'est écrit un peu plus loin. Donc, comparez les types de lieux de la même manière que vous faites pour une attaque de lieu. Hein. Défaussez la carte correspondante. Les cartes de relation ne sont jamais ciblées. Chaque attaque réussie génère des PV pour la Némésis. Le montant des PV est indiqué sur la carte d'attaque. S'il n'y a pas de correspondance entre la carte retournée, rien ne se passe. Mais tant que la carte d'attaque est toujours active, elle essaiera de frapper à nouveau lors de son prochain tour. Chaque fois que vous manquez de l'objet de l'attaque pendant un tour, que ce soit un lieu, une affaire ou les cartes en main, les attaques s'interrompent jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau un objet à attaquer. Voilà. Ne tirez plus de cartes de la pioche pendant une pause. Ne tirez pas de cartes de la pioche pendant une pause. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Parce qu'en fait, la carte, on la prend qu'au début de chaque tour. Alors, ne tirez pas de cartes de la pioche. Ah oui, quand il nous attaque. Ah oui, on n'attaque pas, quoi. On défausse pas une carte inutilement.
Alors, si par contre il montre un jeton munition, il est nécessaire de dépenser un jeton munition. Pas n'importe quelle ressource. Quoi qu'il arrive, la base par contre, elle n'est jamais ciblée. Elle attaquera pas lorsqu'il ne restera qu'un seul lieu. Voilà. Après, il y a deux cartes spéciales. Donc, celle-ci, c'est une double attaque, en fait, sur la carte. Et celle-ci, c'est celle-ci, là, je crois, les trois dernières, là. Ouais, c'est des cartes, ces trois-là, là. Donc, c'est à chaque fois, en fait, le même nom. Mais niveau 1, niveau 2, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Hein, de plus en plus puissante. Donc, celle-ci, elle est trop dure. Donc, je ne vais pas la mettre dans l'immédiat. Je ne la mettrai pas dans la partie. Et donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Attaque contre la Némésis, ben c'est du classique, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est du classique, 3, 4, 5. Par contre, elle ne reçoit pas l'objet quand la carte est... Ah oui, ça aussi, j'ai oublié de le faire, ouais, de gagner l'objet quand il m'a rasé le lieu. Bon, pas grave, je ne pense pas non plus que ça aurait changé grand-grand-chose. Si vous jouez avec l'extension, voilà, phase d'entretien, ben c'est pareil. Fin de partie, 25 PV, exa. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Donc, si par exemple, je pioche une carte de niveau 1, hein, au début de la partie, bah voilà, ça va être ça. Barrage. Alors, à chaque tour, la Némésis attaque, hein, vous attaque. Il attaque les cartes en main. Jusqu'à ce que on défausse un jeton, un personnage, et ça, c'est un jeton gris. Et si j'arrive pas à le faire, elle gagne un point de victoire. Voilà. Voilà. C'est tout. Donc c'est ça. Ça va être ça pendant tout son tour. Si j'arrive à lui bloquer ça, si j'arrive à lui bloquer ça, eh ben, elle fera plus rien. Elle va passer. Donc ça me laissera le temps de monter un petit peu mon affaire. Hein? Et donc je piocherai dans ces cartes-là jusqu'à ce que j'aie 4 lieux. Ensuite, on posera ici. Alors par exemple, si j'en prends une autre, hein, ici par exemple, il m'attaque en fait mes lieux jusqu'à ce que je défausse 2 jetons bleus. Voilà. Là, c'était mes cartes en main. Donc carte en main, on a dit qu'on piochait une carte, on regardait comme si on attaquait un lieu, hein. Et on est obligé de défausser la carte. Par contre, je crois que carte en main, c'est juste on défausse la carte. Hein. Défausser une carte correspondante. En fait, on touche pas l'affaire. Et là, jetez l'une de vos affaires. Ouais, c'est ça. Voilà. Et par contre, quand on attaque une affaire, eh ben, là, il doit y avoir peut-être main, truc, et là, c'est affaire. Non, là, c'est encore ça, là, par exemple. Il faut vraiment défausser un jeton munition. Et ça, le problème, c'est que des jetons munitions, dans les cartes, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Alors là, celles-ci, elles peuvent faire assez mal. Vaut peut-être mieux quand on tombe dessus, tout de suite passer au tour suivant, quoi. Je regarde vite fait. Donc là, c'est un jeton rouge. Et là, on attaque les affaires. Voilà. Les affaires. Donc les affaires. On tire une carte, on regarde ici l'affaire, il faut qu'on défausse quelque chose comme ça. Donc là, ça c'est pas mal parce que quand même, ça peut. Il peut ne pas nous attaquer, quoi, en fait, quand il attaque les affaires, quand on n'a pas les affaires. Quand on n'a pas les affaires. Voilà. Ok, bon, ben voilà, on verra ça à la prochaine partie. Hein. Je pense que je ferai ma prochaine partie, ce sera avec ces decks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, il y a 9 cartes. 9 cartes de chaque niveau. Sachant que celles-ci, je ne vais pas les utiliser parce qu'elles sont trop puissantes. En fait, celles-ci. Voilà, il attaque en fait les affaires et les lieux. Il a fait deux attaques en fait. Hein? Voilà. Il attaque les deux en même temps. Et puis, plus on monte de niveau, plus il faut défausser des choses. Hein. Donc là, il va falloir arriver à 25 avant d'avoir plus de 9 lieux en place. Hein. Parce que sinon, ça va être trop dur. Et la fameuse carte double, eh ben, elle doit être là.
Elle doit être là vu qu'elle est niveau 1, niveau 2, niveau 3, double strike, voilà. Double strike, en fait, il attaque les locations, les lieux, et il attaque aussi les affaires. Et je crois que c'est écrit qu'on tire qu'une seule carte dans cette, pour les attaques. Si je reprends la double strike, elles doivent toutes être neutralisées, bien sûr. N'utilisez qu'une seule carte de la pioche pour déterminer les deux cibles. Voilà, c'est ça. Si une des deux attaques est déjà neutralisée, l'autre attaque aura quand même lieu. Chaque attaque réussie génère des PV. Donc, chaque attaque réussie. Donc là, la double, elle va générer 2 PV, quoi. Après, si j'arrive à défausser un rouge, elle dégénérera plus qu'un PV. Mais bon, on verra à ce moment-là. Pour en revenir bah, donc au premier, là, la première partie avec le 2, je trouve que ça me paraît trop dur. Ça me paraît vraiment trop trop dur. Trop trop dur parce que en fait, il joue jamais. Il joue jamais. Donc si nous, on essaie vraiment d'optimiser notre matériel pour pouvoir jouer après lui, quoi. Et ben finalement, on n'est pas gagnant. On n'est pas du tout gagnant. Il faut vraiment tomber dès le départ. Il faut faire très peu d'actions et tomber dès le départ sur les bonnes cartes pour pouvoir tout de suite générer des points de victoire. Sinon, ou alors avoir de la chance au dé. Avoir de la chance au dé. Ça peut être ça. Peut-être qu'en facile, j'aurai plus de chance parce que premier tour, je prends deux cartes. Donc après, j'ai une chance sur deux qui. Au deuxième tour, bon, je ne pourrais pas la prendre, mais j'ai une chance sur deux, on va dire, qui fasse rien. Qui fasse rien. Ou alors, on fait pareil. On fait pareil. On dit que dès qu'il réussit son attaque, en fait, il attaque plus après. Ça peut être pas mal, ça. En fait, il continue de jouer et jusqu'à ce qu'il nous attaque et qu'il réussisse une attaque. Ou alors pareil, qu'il fasse trois attaques. Ouais, mais trois attaques avec un dé, c'est impossible. Non, je dirais que dès qu'il fait une attaque et qu'il a réussi, il joue plus. Allez, bah on verra ça une prochaine partie. Allez, au revoir.